Top 10 de mes persos préférés de Naruto. En numéro 10, on retrouve Maito Guy, un personnage qui me fait vraiment délirer, certainement le plus drôle de toute l'œuvre. Numéro 9, Jiraiya. Comment ne pas aimer Eero Sennin, personnage emblématique de Naruto. En numéro 8, Shikamaru, personnage le plus intelligent de l'œuvre et meilleur ami de Naruto, on ne peut que kiffer. En numéro 7, Tsunade. À travers sa force et sa détermination, elle cache une grande fragilité. Je me suis beaucoup attaché au 5e Hokage. En numéro 6, Sasuke. Bien qu'il soit un personnage principal de Naruto, je vous avoue qu'il m'a quand même beaucoup énervé dans Naruto Shippuden, contrairement à dans Boruto. En numéro 5, mon crush. Itachi, certainement la meilleure histoire de Naruto, il a tout sacrifié pour son village et son petit frère, y compris sa propre vie. En numéro 4, Sakura. Oui, Sakura, vous avez bien entendu, car contrairement à ce que beaucoup de monde dit à tort, elle est loin d'être inutile. Et personnellement, moi je l'adore. C'est parti, on va maintenant rentrer dans mon top 3 avec Obito. Je me suis énormément attaché à ce personnage, il est ce que Naruto aurait pu devenir s'il avait été mal entouré. Numéro 2, Kakashi, le sensei par excellence, toujours là pour Naruto, et j'adore son caractère à la fois sérieux et désinvolte. En numéro 1, sans surprise, on retrouve Naruto, qui est pour moi certainement le meilleur protagoniste, tout anime confondu.